وفي شأن آخر، اعتبر ميشيل سودريون المدير التنفيذي لعلامة ويكو للاتصالات بأن الشركة تطمح من خلال مشاركتها الثانية في المعرض الدولي للاتصالات ببرشلونة إلى التعريف بمنتجاتها من الهواتف الذكية، ومراهنا على السوق الجزائرية. مبعوث النهار لإسبانيا محمد بوسري والتفاصيل. Wiko est aujourd'hui une marque qui s'est hissée sur le plan national à la deuxième place. Donc nous nous devons bien sûr de chaque année d'étoffer notre gamme et d'être de plus en plus présents sur ce genre de manifestations. Et c'est pour ça qu'on a fait cette année un grand salon où, avec la présentation en exclusivité de dernières nouveautés que sont la gamme Highway qui s'est étoffée de deux nouveaux modèles, le Highway Pure et le Highway Star, qui sont bien sûr des modèles 4G. Le modèle Ridge aussi et le Ridge Fab, qui sont aussi nos premiers modèles développés avec le processeur Qualcomm. Donc aujourd'hui, nous allons une offre avec MTK, Qualcomm et toujours Nvidia pour les anciens modèles. Et bien sûr, en Algérie, avec l'Algérie qui devient, j'espère, notre port d'entrée sur l'Afrique et sur l'Afrique du Nord et l'Afrique, l'Algérie étant un des très plus gros marchés pour nous et un de nos enjeux de 2015. وأكد مدير تطوير أعمال ويكو بإفريقيا مارسيل فان دوبان بأن هدف الشركة حاليا هو التوسع في السوق الجزائرية، حيث اعتبر المستهلك الجزائري من أبرز الزبائن مقارنة ببعض البلدان التي تتواجد بها الشركة. مبعوث تلفزيون النهار لإسبانيا مجددا محمد بوسري. Je suis semaine par semaine en fait la évolution de ce que j'appelle la distribution numérique. Ça veut dire combien de wilayas on peut trouver des Wiko. Et chaque semaine, on est en train d'élargir le plus de villes, plus de distributeurs, plus de magasins, en fait, qui vont proposer toute la gamme de Wiko. Soit des très entrées de gamme, des produits purement voix, et que tu peux trouver à partir de 2700 dinars. Jusqu'au flagship Highway que tu peux trouver à 37 990. Donc le but c'est d'offrir toute cette gamme et que chacun peut se retrouver à rapport à ses besoins.